Salut à tous et à toutes, ici Mister Woo! Donc, on va une fois regarder ce qu'il y a dans le store. Donc, vous avez vu ce que j'avais comme jeu, mais ce serait intéressant qu'on sache en fait ce qu'il y a dans le store en fait. Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier directement. Ça peut être marrant en fait. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. On va aller vérifier dans le store. Hop, on y va ensuite. C'est parfait. Désolé. Donc voilà ce qu'il y a aujourd'hui sur Switch dans le store. En HD, vous avez tout. Je sais pas ce que c'est ça. Ah ok. C'est des extensions ça. Personnellement, j'ai pas le jeu. J'ai pas encore le jeu Pokémon, donc je peux pas. Alors, sortie récente, on a ça. Là, voilà tout ce qu'on a en sortie récent. Après, je vais pas non plus très loin hein, pardon. Parce que je viens de dîner, donc du coup je suis un peu ballonné, MDR. J'ai mangé des bonnes pâtes, enfin, des pâtes. Du coup, voilà. On s'en fout de ma vie. Donc ici, ah, regardez, on a Roller Tycoon. Intéressant. Oh, ce jeu m'intéresse énormément. Bah, il y a des chances que je le prenne, ce jeu. Je vais peut-être le prendre. Alors à ce moment-là, je fais ça. Hop. Comme ça, j'ai dans la liste des favoris. Parce que ça peut être un bon jeu à jouer quand vous êtes comme ça tout seul, etc. Donc jusque-là, ok. Et enfin, bien sûr, dans les... Non, dans les bientôt disponibles, le gros enculé, tu sais. Je vais voir un truc qui se trompe complètement. Donc, veuillez attendre 10 milliards d'années avant que ça arrive. Oh. Internet, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, moi, j'aime bien descendre tout en bas avant. Donc, je fais... Ouh, tout, 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 tout. Et je descends tout en bas. Non, là, ça a foiré. Ça, c'est à cause des putains de Joy-Con Drift. C'est l'enfer, ces trucs. Nintendo, réparez ça, merde. Bon, ils sauront pas, mais... Putain, ça rame. Je vous jure que j'essaye d'appuyer le truc. Bon, tant pis. Bon, habituellement, ce que je fais, c'est que je descends tout en bas et que je monte. C'est plus marrant. Donc ici, vous voyez tous les jeux qui vont sortir sur Switch. Si au cas où ça vous intéresse de voir ce qui allait sortir sur Switch dans les mois qui suivent. Bah, je vous le montre, hein, ça me dérange pas. Ça peut être marrant. Donc, comme vous voyez, il y a Mario, machin, truc, muche, là, qui va arriver. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Le jeu qui m'intéresse beaucoup, c'est celui-là. Voilà. C'est Fairy Tail. L'air sympa, ce jeu. Bon, j'ai peut-être pas forcément prendre cette version-là, mais. Ouais, il a l'air cool, ce jeu. Elle a l'air topissime. On regarde la bande-annonce? Ouais, on va faire ça. On va regarder ensemble ce que ça donne. Et puis on se quittera. Tout cas, le jeu a l'air vraiment sympa. Encore heureux qu'ils sont jouables, ça paraît être bien ballot, qu'ils soient pas jouables. Oh oui, ça. Et il a l'air vraiment sympa, c'est une sorte d'RPG, quoi, comme on dit, le plus délimité. Ah bah moi je vais le prendre quand il sort. Enfin, peut-être pas forcément d'un coup, instantanément, mais en tout cas je vais l'acheter.
わらわの手作りだ。お前にこんな趣味があったとは。あ、すごい。ココ。わざわざ。ヒーロー。ヒューマン。ゼロの覇気。エクシードトイスペシャル。 Ah bah dis donc, ça a l'air sympa tout ça. Ouh, elle est mignonne derrière ça. Petit PTDR. Bah ça a l'air très bien tout ça. Dis donc, ça a l'air bien. Bon ben voilà, hein, on verra bien si le jeu sort un jour ou l'autre. Bien sûr, il sortira, je présume, mais voilà. Donc je vais vous laisser sur ce magnifique... Où est ça? Elle est dedans? Non. Alors lequel on va mettre quoi. Parce que je sais que vous aimez bien ça MDR. Alors je vous laisse sur ce magnifique screenshot du jeu en lui-même au moment où elle fait une incantation ou quelque chose dans le genre. Sur notre chère Lucie, notre chère princesse Lucie. Donc notre majesté, comme on dit notre majesté. Du coup voilà. Je vous dis à bientôt, c'était Mister Wouhou. Et portez-vous bien surtout. Après, je vous avoue que j'ai fait cette vidéo aussi pour une autre raison. C'est que, en fait, j'ai fait une suppression. J'ai supprimé des trucs sur ma carte SD. C'est des trucs apparemment qui notent les jours, la date et les temps. C'est une sorte de truc de temporaire. Et ça prend de la place par finir. Du coup, je me disais, quand j'ai supprimé, ça a fait beaucoup de place. Donc, du coup, ça a libéré 100 MB, etc. Enfin, c'est déjà ça de prix. Donc, du coup, je teste pour voir que si je fais ça, est-ce que le jeu, enfin, est-ce que ça continue à être tout ça? Est-ce que je peux réutiliser ma carte? Apparemment, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, parfait. Bon, voilà, je vous dis à bientôt. Et c'était Mister Wu. Et surtout, portez-vous bien.